Salut tout le monde, c'est Fish. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant des grosses nouveautés qui vont prochainement arriver sur Fortnite Battle Royale et qui sont d'ailleurs déjà dans les fichiers du jeu. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés complètement folles. En plus, on a déjà l'arrivée du nouveau véhicule qui est roulé jeunesse. Enfin, apparemment, c'est comme ça qu'il s'appelle. Du coup, peut-être qu'on va le croiser en game. Bon, après, c'est pas le but de la vidéo non plus de faire un test de ce véhicule, mais plus de vous parler des prochaines nouveautés. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, ce qui m'aide énormément. Mille merci aux personnes qui le feront. Bien évidemment de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toute mon activité sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment d'entrer le code dans la boutique, le code Shuto, si vous souhaitez me soutenir en tant que créateur. Donc je compte sur toi, Shuto, S-H-O-U-T-O. C'est très important les potes. On a eu l'arrivée d'une variante pour le skin Agent d'élite, qui est un skin il me semble du pass de combat saison 3. Donc voilà l'agent d'élite, mais cette fois-ci sans masque. J'ai l'impression que Epic Games commence à faire plein de variantes pour les anciens skins, du coup c'est super cool. Et même d'ailleurs pour l'un des tout premiers skins du jeu, vous allez comprendre par la suite de quel skin je veux parler. Du coup ce que je vous propose de faire, c'est d'équiper Agent d'élite sans masque et de faire une game avec pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vous propose de tout de suite lancer une solo en espérant de faire un top 1. Alors let's go. Bon, il y en a certains, ils vont me faire la remarque pourquoi je suis encore sur PS4. C'est bon les gars, je vous explique. Donc mon PC il marche super bien les gars, il n'y a pas de problème, je peux jouer à n'importe quel jeu avec des FPS, beaucoup d'FPS en tout cas. Ça c'est sûr, mais le truc c'est que j'ai pas encore regardé comment filmer ou quoi que ce soit sur mon ordinateur. Du coup je continue un petit peu à jouer sur PS4, mais une fois que je serai ok sur PC, il y a pas de souci les gars, je vous rassure, je vais jouer clavier souris sur mon PC sans problème. Bien évidemment on va aller au spawn secret, vous connaissez. Ah, apparemment le ping il a changé, ça j'avais pas remarqué. J'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles villes sur la carte. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aucun changement hormis au bloc. J'avais pensé à faire des lives autres que sur Fortnite, comme par exemple Garry's Mod, qui est un jeu que je joue beaucoup en ce moment depuis que j'ai mon nouveau PC. Du coup si ça vous intéresse ou quoi, je pourrais très bien faire des live troll là dessus Donc c'est sûr, ça n'a aucun rapport avec Fortnite hein. Ça c'est sûr, ça change complètement. Et apparemment les gars, je viens d'avoir l'AK-47 version glisse, peut-être qu'ils ont changé les dégâts. Ah ouais, maintenant elle fait 36 de dégâts, avant il me semble qu'elle en faisait 45. Du coup le changement il est juste énorme. Du coup c'est peut-être mieux au final de jouer à la M16. Il y a un coffre juste derrière, on va le récupérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de stuff maintenant ici. Ah bah c'est bon les gars, le nouveau véhicule il est juste là. Du coup je vais l'essayer juste après pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais juste me mettre le Ghost Shield. Ah ouais, maintenant il y a une animation pour le Ghost Shield. Ah ouais, c'est tellement stylé les gars. Oh, grave stylé. Vas-y, je vais voir qu'est-ce que ça donne, en sachant que j'ai jamais essayé les gars. Oula, qu'est-ce que c'est. Ok, du coup on a un accélérateur. Ah mais faut peut-être rester appuyé. Ouais. Ouais, je suis pas très fan les gars. Pour escalader les bâtiments, ça a l'air un petit peu compliqué. Je vais rester au sol pour le moment. Mais en tout cas, on commence à avoir énormément de véhicules. On a l'overboard, on a la boule, on a le quad, on a le van. À mon avis, Fortnite font tout pour qu'on ne meure pas par la zone. À mon avis, c'est ça qu'ils essayent de faire. Ok, c'est bon, on y good les gars. Je vais maintenant prendre de la petite boule pour rejoindre la zone. Et après, peut-être qu'on va croiser des ennemis. Du coup, je vais pas hésiter à prendre les kills pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est bon, on est arrivé au bateau les gars. Alors, où est-ce qu'il y aurait des ennemis? Mais il y a un ennemi là, c'est pas possible. Ah oui, il y a un gars les gars. Ok, il y a un ennemi juste ici les gars. Oh là, faut que je prenne le kill. Oh mais non, mais il y avait un ennemi juste en face, j'avais même pas vu. Bon, malheureusement l'ennemi s'est barré, du coup j'aurais perdu un petit peu de shield. Ça c'est un petit peu con les gars. Bon bref, pour reparler des nouveautés qui arriveront prochainement sur Fortnite, on aura l'arrivée d'un nouvel animal sur Fortnite Battle Royale, donc un compagnon qu'on pourra mettre en sac à dos. On aura aussi l'arrivée de plusieurs camouflages, et ça c'est super cool, même un camouflage en mouvement. Il me semble qu'il est noir et rouge, c'est des flammes. Et on aura aussi prochainement un starter pack au prix de 5€ qui sera offert avec des V-Bucks. Et ce qui est sympa, c'est que ce starter pack, c'est un personnage féminin, donc un skin féminin, et ça c'est super cool parce que jusqu'à maintenant on avait toujours eu des garçons en starter pack. Du coup ça change vraiment de d'habitude et je sens que ça va en faire des heureux. Apparemment là-bas il y a quelques ennemis qui sont en fight. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à choper au moins un kill pour que je me remette un petit peu de shield, parce que l'autre ennemi il m'a mis énormément de dégâts. Hop, je l'allume. Oh merde, je lui ai mis une balle, mais il a réussi à prendre le kill. Il a certainement récupéré sa vie. Il a pas l'air très fort l'ennemi. Moi non plus, je suis pas très doué actuellement parce que je le sens en fait. Je suis mou. J'ai pas beaucoup joué à la PS4, j'avais plus joué sur mon PC. Ah ouais, mais s'il y a un autre ennemi qui me met des balles à cause de map, les gars, ça va pas aller. Hein. Ok, l'ennemi il est juste là-bas. Je lui mets un moins 44. J'entends un véhicule aussi à gauche. Je sais pas où il est, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre un véhicule. Mais moi j'ai envie de le tuer lui. Oh, ici des mini-potes. Oh, ça, j'avais pas vu. Ah ouais, il y a 6 mini-potes. Et je me mets tellement bien.
Hop là, ok. En plus, l'animation elle est grave stylée. Hein. Ok, il y a un ennemi qui est juste derrière. Il y a un ennemi qui est tout en bas. Ouais, ok. L'ennemi qui est juste ici, il est derrière le rocher. Il s'est caché. Ah ouais, il essaye de me snap, cet enfoiré. Non, j'ai reçu une balle. Mais non, il y avait encore un ennemi. Il était où? Non, vraiment, il y avait encore un ennemi. Tu es sérieux? Oh, mais quel enfoiré. Le mec, il attendait que je dépasse ma tête. Ah, j'ai tellement le seum, les gars. Bon, bah, je pense qu'au final, on va partir sur un spawn tilted. Hein, ça sera mieux. Au moins, il y aura de l'agressivité. Parce que quand on joue safe, apparemment, il y a des snipers à cause de mobs qui nous mettent des têtes. C'est pas moi qui le dis, les gars. Il y a une preuve vidéo. C'est tout. C'est comme ça, les gars. Hop, on va retourner en solo. Et j'en profite tant qu'on est dans le menu de Fortnite. Bien évidemment, rentrer le code créateur Shootout. C'est très important. Bon, ok, je claque ma petite pipe, c'est vrai. En plein milieu de vidéo, je suis pas sympa, les gars. C'est vrai, je suis quand même assez méchant. Ok, on est reparti pour un petit tilted towards. Maintenant, il y aura beaucoup plus d'ennemis. Donc, si je peux prendre quelques kills, ça serait super cool. Et pas que je meurs dès le début, parce que bah ça c'est pas cool en fait de moi dès le début. Oh putain, y'a un mec, y'a déjà un ennemi. Ok, on remonte. Attends, y'a pas d'arme là vraiment? Attends, j'ai vraiment aucune arme là. Oh non, je vais devoir prendre le coffre. Oh, la prise de risque qui est énorme. Nice, on a une AK-47. Ouais, mais du coup maintenant elle est devenue nulle. Ah ouais, j'ai 6 mini potes, ça j'avais pas remarqué. Ok, parfait. Ok, ça c'est un truc à mourir. Ok, on va faire demi-tour parce que là je vais mourir. Ça je sais là en fait. Causez lire. Mais dégage-toi, putain! Ok, on se bat. Mais non, mais pourquoi il me suit, cet autiste? Mais arrête de me suivre! Mais pourquoi il me suit? Les gars, il veut me tuer, c'est un malade, ce mec! Oh non, mais je peux pas aller une taille tranquille. Oh, let's go, les gars! Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, j'ai tellement de chance. Attends, il y a encore un ennemi! Wow. Attendez, il y a encore un mec. Non. Oh, let's go, les gars. Oh, mais c'est quoi ma chatte? Les gars, c'est quoi ma chatte? Oh non, j'ai tellement de chance. Ah, oh, c'est bon, je peux respirer. Ok, il y a encore des ennemis au bâtiment rouge. Je vais essayer d'aller prendre des kills. En vrai, si je peux tenter mon record de kills, pourquoi pas, hein. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai toujours 5 visios alors que je suis nul. Ça, franchement, je comprends pas, les gars. Ok, il y a un ennemi juste au-dessus. Il m'attend. Ah, l'enfoiré, il m'attend. Il a voulu me lâcher la décale, hein. Quel enfoiré, ce mec. Ouf. Oh putain, il y a un mec qui a essayé de me sniper. Ok, il y a un ennemi juste en dessous qui vient de prendre un tremplin. Et il y a aussi un ennemi ici. En fait, les ennemis, les gars, ils sont partout. Hein. Mais quelle bande d'enfoirés. Ils se barrent tous en tremplin, c'est impressionnant. Ils veulent pas assumer le fight. En fait, ils commencent à nous tirer dessus et après... Oh, l'enfoiré. Voilà, c'est comme ça qu'ils jouent, les mecs. Hein. Après, ils ont pas tort. Hein, tu... Non. Oh, je suis dans la merde. Ok, let's go, les gars, le kill qui a été pris. Il y a encore un mec. Let's go, les gars, les deux kills qui ont été pris. Oh, je me suis mis tellement bien. Oh, le fusil chasseur, le sniper. Oh, je suis tellement bien, les potes, c'est impressionnant. Ok, j'ai une slurp juice juste ici. Et maintenant, je suis passé à 7 visio. Non, mais en vrai, je comprends pas, les gars. Habituellement, j'ai 0 visio, là, je comprends pas du tout pourquoi ils me regardent. Hop, ok, c'est bon, les gars, on a pris l'M16. On se met tellement bien. 6 kills en top 27. On est super bien, mais même au niveau du stuff, hein. On a un chasseur, on a un sniper, on a tout ce qu'il nous faut. Mais à mon avis, c'est un bug au niveau des spectateurs. C'est pas possible que j'en ai autant alors que je fais de la merde. Hop, je vais sauter sur le tremplin en espérant que je me foire pas. Impeccable. Ah bah, il y a un mec juste ici. Ah bah, le hasard fait bien les choses, dis donc, hein. C'est lui qui m'avait shooté tout à l'heure, sniper. Oh là là. N'empêche, il avait son petit pied qui a dépassé du rebord. Et malheureusement, bah, j'ai pu lui mettre des dégâts. Et il doit avoir tellement le seum, le pauvre. Ah, ok, j'ai entendu des tirs, les gars. Il y a des ennemis juste à côté. Ah, c'est là-haut. Ok. Ennemi repéré, les gars. Il est là, le mec. Il y a un ennemi. Ah, ok, c'est bon, je l'ai entendu. Ok, il y a un mec, il y a un mec. Ok, let's go, le kill qui a été pris, on se met tellement bien. Ah ouais, mais lui, son stuff, il était super bien par contre. Ah ouais, mais là, c'est quoi? Oh non, oh, je suis trop bien, les gars. Top 17 avec 8 kills. Mais attendez, j'étais en top 27 il y a à peine 10 secondes. Bon, apparemment, les gens, ils ont décidé de se tuer. Ah, il y a un mec juste ici, en overboard. Ah merde, il est en train de construire. Ça, c'est pas cool. Oh, le laser que je viens de lui mettre. Oh, bah, lui aussi, apparemment. Oh non, le pauvre. Il a pris la modif et j'ai réussi à lui mettre la balle. Ah bah franchement, je suis trop bien. Ok, il y a encore le mec au-dessus. Bah vas-y, on va le rush. Allez, c'est parti. Ça part sur un rush. Ah bah il a perdu l'auteur. Oh le con. Ok, let's go. Le kill qui a été pris. Top 13 avec 10 kills. C'est monstrueux. En vrai, mon record de kill, c'est 23. Est-ce que je peux le battre?
Il y a moyen que je le batte, ça va être très très compliqué, mais je peux toujours le battre. En vrai, j'y crois pas du tout, les gars, mais bon, si je peux tenter au moins une 20 kills. Ouais, non, en fait, au moins une 20 kills, c'est trop demandé. Une 15 kills, on va viser la 15 kills, les gars, c'est déjà raisonnable. Bon, malheureusement, là, les ennemis, ils sont en train de se tuer pour la 15 kills. Au final, je sais même pas si je vais y arriver, mais on va déjà viser le top 1. Si j'y arrive, ça serait déjà ça. Ah, mais la base avec la fusée, elle existe encore. Je savais même pas qu'elle était encore là, les gars. Moi, bon, il y a plus la fusée, ça c'est plutôt logique. Mais je savais pas que la base elle était encore présente. Ok, c'est bon, on est arrivé à la destination et il y a un ennemi juste au-dessus. Oh non, comment j'ai le laser. Alors ça c'était un gros bambi et je me suis fait plaisir, les gars. Ok, oh ouais, en plus il avait une mitraillette bleue. Eh franchement là, je pense que j'ai le stuff parfait. Bon, il y a aussi un petit RPG ici, mais j'ai pas envie de jouer cancer. On va jouer propre jusqu'au bout, parce que sinon je vais me prendre un karma et je vais me suicider avec mon propre RPG, avec la chance que j'ai. Ce que je comprends pas, c'est que ici il y a beaucoup de builds, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun ennemi. Je vais aller voir cette plus proche. Ouais non, c'est bien ça, il y a absolument personne. Ouais, par contre là-bas il y a un mec au sniper, faudrait que je fasse un petit peu attention. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai deux tremplins. Si je veux move dans telle ou telle zone, ça va être juste parfait. En vrai, pour une fin de game, je suis tellement bien. Je sais pas, ça fait combien de fois que j'ai dit que j'étais tellement bien, mais ça doit faire la 6e ou 7e fois. Regardez-moi ça les gars, il y a une boule qui bouge toute seule. Attendez, j'ai envie de la défoncer. Oh mais regardez-moi ces costes boules là. Au moins le mec il est protégé à l'intérieur. Ouais c'est ça. Ce qui est pas mal, c'est que tu prends 0 de dégâts. Attends, là j'ai pas compris, il y a un mec qui vient de tirer au sniper, il vient de mourir ou pas? Moi je sais pas, il y a un mec qui essaie de me shoot au sniper, mais je crois qu'il s'est foiré. Et il y a un mec qui me rush. Bon vas-y, je vais pas perdre plus de temps, j'ai pas envie de prendre plus de risques que ça. Je vais aller sur un rebord de montagne et puis on va monter tout en haut, comme ça je serai super bien. En espérant que les ennemis ne me mettent pas de balles pendant que je monte. Et puis c'est bon, c'est ok, bah c'est bon, on est tout en haut les gars. On est super bien. Il y a un mec qui me rush en tremplin là, non? Ah non, il est en dessous. Il y a un mec en tremplin juste en bas. Il y a un mec qui s'amuse à me shoot dans son fort. Et en plus, je suis juste à côté de la zone. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? À mon avis, il y a deux mecs qui sont dans le fort là-bas. Il y a sans doute un mec qui a dû se mettre en dessous de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'ils sont en train de se tirer dessus. Enfin, je pense que c'est ça parce que je vois aucun tir vers l'extérieur. Ah, j'ai repéré un ennemi côté stade. Il vient de se cacher derrière un arbre ou c'est moi? Ah non, j'ai pas réussi à le toucher malheureusement. Ok, les mecs, ils sont en train de se tirer dessus. Ah ouais, les gars, il y a tout le monde qui est en train de se fight là-bas. Moins 24, dommage, j'ai pas réussi à lui mettre plus de balles que ça. Donc il y a un ennemi tout là-bas, l'autre ennemi je sais pas où il est. Ok, j'ai la position seulement sur un ennemi malheureusement. Ok, je crois que le tout dernier il est là-dedans. Ouais, le tout dernier il est juste là. Yes, ok, let's go. Le kick a été pris, top 2 avec 12 kills. J'ai pas intérêt à me foirer. Aïe aïe aïe, putain, il a l'air doué lui en plus. Faut pas que je me foire les gars, faut surtout pas que je me foire. J'ai la hauteur, j'ai un sniper, franchement j'ai tout. Je suis même full shield. Alors là si je foire la game j'aurai tellement le seum. En vrai j'ai pas le droit à l'erreur. Ok, j'ai détruit son feu de camp, voilà comme ça il va pas plus se soigner. Et d'ailleurs j'ai encore mon tremplin, ce qui va me permettre de move dans la prochaine zone. J'essaye de lui faire gaspiller un peu de ses constructions. Bon vas-y, on va devoir y aller les gars. Merde, le sniper il est pas reload. Vas-y, recharge le sniper là, plus vite, plus vite. Parfait les gars, alors là, on est bien, là on est bien. Ah merde, il a réussi à me mettre une balle. Ok, let's go. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il est idiot. Oh non, l'idiot. Oh non, l'idiot. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ah, je me suis mis tellement bien, les gars. Top 1 avec 13 kills. C'est juste énorme. Oh ouais, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous parler de la nouveauté primaire. Bah, ce que je vais faire, je vais retourner dans le salon, puis je vais vous en parler vite fait, mais vous allez très vite comprendre. Pour faire simple, on a trouvé une variante du skin Renegade Raider, qui est l'un des tout premiers skins de Fortnite Battle Royale, qui était sorti à la saison 1 de Fortnite. Donc, une variante de ce skin qui pourrait, pourquoi pas, mettre un petit peu plus en avant, et même promouvoir la sortie du skin en question. Donc, les détenteurs de ce skin ont reçu la variante aujourd'hui depuis la mise à jour de ce matin. Et à mon avis, les personnes détenant cette variante seront seulement les personnes qui auront acheté le skin à la saison 1 de Fortnite. Donc ils vont certainement ressortir le skin dans la boutique de Fortnite, sauf que nous on n'aura pas accès à cette variante. Comme ils ont fait par exemple avec le Skull Trooper, ils l'ont ressorti dans la boutique de Fortnite Battle Royale, et ceux qui l'avaient à la saison 1 de Fortnite avaient la variante de couleur violette. Alors que ceux qui l'ont acheté dans la boutique de Fortnite à la saison 5 ou saison 6, je m'en rappelle plus trop, eux ils n'ont pas eu la variante violette du skin. A mon avis, j'ai certainement dû oublier des nouveautés parce que j'ai pas tout devant moi. Mais du moins, en espérant que cette vidéo vous a plu, je t'invite bien évidemment à exploser cette barre de pouces bleus, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est super important. Et encore une fois, d'entrer le code créateur Shuto, c'est mon code créateur. Donc si tu souhaites me soutenir, ça me ferait super plaisir. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.